Voilà, je vais d'abord présenter notre premier orateur, l'archimandrite Amphilochios Miltos, qui est du diocèse de Démétrias en Grèce. Vous êtes docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse de Paris-Sorbonne et docteur de théologie dogmatique de l'ICP, avec une thèse imposante, quand même 733 pages, que vous avez réalisé sous la direction de Laurent Villemain et Jean-Marie Salamito, une thèse publiée dans la collection Unam Sanctam et dont le titre indiquera pourquoi vous êtes invité aujourd'hui. Le titre, c'est « Collégialité et synodalité vers une compréhension commune entre catholiques et orthodoxes ». Cette thèse a été publiée en 2019. Vous êtes membre du comité scientifique de l'Académie des études théologiques de Volos en Grèce, membre de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Vous êtes déjà venu ici même pour un colloque de la chaire Unité chrétienne en 2015, qui avait été édité sous le titre Communion dans nos églises, communion entre nos églises. Et ça dit aussi votre intérêt pour l'œcuménisme. J'ai relevé quelques articles récent, plus ancien, mais en lien avec ce colloque. En 2013, dans la revue Istina, les églises locales et l'église universelle, une relecture orthodoxe du débat Ratzinger-Casper. En 2018, dans la même revue Istina, la doctrine de la collégialité épiscopale vue par les théologiens orthodoxes. Et enfin, dans les RSR, en 2019, vers une théologie de la synodalité de l'église. Voilà, je vous laisse sans plus tarder la parole. Merci d'être venu jusqu'à nous. Comme vous voulez. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord adresser mes remerciements aux organisateurs pour leur invitation à participer à ce colloque patristique qui rassemble des compétents spécialistes et théologiens. J'en suis particulièrement honoré. Un grand merci. J'entre maintenant à mon sujet, la synodalité de l'Église selon Ignace d'Antioche. Peut-on parler de synodalité chez Ignace d'Antioche? Ne risquons-nous pas de projeter nos idées modernes comme le néologisme synodalité sur ce père apostolique? Certes, le risque d'une lecture forcée des sources primitives qui relèvent plus ou moins de la pétition de principe est toujours présent. D'autant plus, j'assistant d'un témoin aussi important et précieux du christianisme ancien, dont la question fut beaucoup abordée et continue d'être discutée. Toutefois, si on croit à l'avis de Walter Casper, selon qui tous les éléments essentiels de l'ecclésiologie catholique ultérieure se trouve déjà chez Ignace d'Antioche, il n'est que légitime d'étudier ces lettres sur un thème qui aujourd'hui est au centre de l'actualité ecclésiale et théologique. Notre auteur semble présenter d'autres problématiques. Ignace est notamment connu comme le père de l'épiscopat monarchique, ou mieux du monoépiscopat. Les synodes, quant à eux, à savoir les assemblées ou réunions conciliaires, expression concrète d'une synodalité, sont un phénomène historique postérieur à Ignace. Celui-ci serait-il donc à même de nous éclairer sur la synodalité? Est-il finalement pertinent de parler de synodalité chez Ignace? Pour répondre à notre question, il faut d'emblée rappeler que la synodalité ne se réfère pas seulement aux assemblées de hiérarchie, synode, concile, mais elle exprime aussi, sinon d'abord, une qualité de l'Église même. Selon Yves Congal, les conciles sont en effet une expression de la conciliarité qui, elle, découle de la nature même de l'Église, à savoir d'être une communion, kinonia. Fin de citation. Cette distinction entre synodalité ou conciliarité de l'Église, sens général en référence à la communauté de fidèles, et synodalité des évêques, sens plus restreint renvoyant aux institutions conciliaires, qui est devenue cette distinction en lieu commun,
nous guidera pour explorer les 7 lettres d'Ignace d'Antioche à propos de la synodalité. Signalons ici d'emblée que nous n'évoquerons pas dans les questions de datation ou d'authenticité du corpus d'Ignace. Alors, dans un premier temps, nous présenterons comment Ignace conçoit la communion au sein de la communauté, ainsi que les rapports entre l'épiscopat et les autres ministres et les fidèles. Dans un deuxième temps, nous étudierons ce que les lettres d'Ignace expriment explicitement ou implicitement au sujet de la communion ecclésiale au niveau supralocal. Pour conclure, nous signalerons comment le corpus ignatien peut éclairer les questions actuelles sur la synodalité dans l'Église et de l'Église. Alors, mon premier point, la conciliarité ecclésiale. Il est bien connu que les lettres d'Ignace sont imprégnées du souci de l'unité de l'Église. Comme le souligne à juste titre l'éditeur de ces lettres dans Sus Chrétienne, Camelot, Ignace est le docteur de l'unité, mot qui résume toute sa pensée et son enseignement. Lui-même, par ailleurs, s'autodéfinit comme homme fait pour l'union, isenos in catirtismenos. À travers ses lettres et ses conseils, nous apprenons non seulement des informations sur le christianisme des premières années du deuxième siècle, mais nous découvrons aussi la conception qu'on a de la communauté des chrétiens. Unité en Dieu, unité en Christ, unité des chrétiens, unité de l'Église sont interdépendantes. Il s'agit à la fois d'une unité mystique, fruit d'une imitation, mais également d'une unité bien organisée et bien visible. Cette unité concerne d'abord tous les membres de la communauté et les rapports aux ministres et ensuite les ministres entre eux. Et d'abord entre les membres de la communauté, la synodalité au sein de la communauté. Afin d'illustrer cette unité communautaire, cette communion ecclésiale, comme on dit aujourd'hui, et des aspects salutaires de l'Église, Ignace de Théophore utilise différentes images ou métaphores empruntées au domaine de la musique, aux métiers et à l'agriculture. La synodalité dans le corpus ignatien s'exprime à travers plusieurs thèmes, comme celui du temple de Dieu, les chrétiens étant les pierres de Dieu le Père, prêts pour sa construction spirituelle. L'Église est un cheminement ensemble, un cœur, un corps, un rapport de charité ayant comme modèle la charité entre les pères et les fils dans la Trinité. Voyons tout cela au travers des citations. Dans la lettre aux Éphésiens, les chrétiens sont ceux qui font route ensemble. Il s'agit apparemment de la première attestation du mot synode, synodos, dans un texte patristique. Synode, non pas au sens d'une réunion, mais au sens de celui qui chemine avec quelqu'un d'autre. Citons le paragraphe de la lettre aux Éphésiens. C'est votre foi qui vous tire en haut, votre charité et le chemin qui vous élève vers Dieu. Vous êtes donc aussi tous compagnons de route, synodi, au synodos et synodi. Porteur de Dieu et porteur du temple, porteur du Christ, porteur des objets sacrés, ornés en tout point par le commandement de Jésus-Christ. Fin de citation. Signalons ici que le mot odos, route, chemin, a son importance, car il est souvent utilisé dans les textes les plus anciens du Nouveau Testament, Épître Thessaloniquien et les Actes, pour désigner le christianisme et les chrétiens. Et les chrétiens sont toujours itisodou, i kathodon. Les adjectifs qui suivent et qui nous renvoient, comme le remarque Camelon, à une procession religieuse païenne, nous conduisent à considérer que ce cheminement ensemble, collectif, a un caractère aussi de culte. On sait qu'Ignace renvoie à Saint Paul ou fait allusion à la théologie paulienne. Un exemple de la seconde est l'idée du corps du Christ qui est bien présent, mais sans citer directement Saint Paul. Dans la même lettre aux Éphésiens, au paragraphe 4, nous avons trois idées qui se réfèrent à la communauté et qui expriment leur esprit collégial et notamment leur unité. C'est l'image du cheminement ensemble, ensuite du cœur et enfin le fait d'être membre d'un corps qui est celui du Christ. Et je cite Ignace,
Aussi convient-il de marcher en accord avec la pensée de votre évêque, ce que d'ailleurs vous faites. Votre presbytère, justement réputé, digne de Dieu, est accordé à l'évêque comme les cordes le sont à la guitare. Ainsi, dans votre concorde et dans votre charité mutuelle, c'est Jésus-Christ qui est chanté. Et chacun de vous aussi, vous formez un cœur, afin que dans l'harmonie de votre accord, prenant la tonalité de Dieu dans l'unité, vous chantiez d'une seule voix par Jésus-Christ un hymne au Père, afin qu'il vous écoute et qu'il vous reconnaisse par vos bonnes œuvres comme les membres de son Fils. Il est donc utile pour vous d'être dans une unité sans tâche afin de participer toujours à Dieu. Fin de citation. Dans l'épître aux Thraniens, l'auteur est plus clair sur le thème du corps lorsqu'il dit que le Christ vous appelle à lui puisque vous êtes ses membres. Donc la tête, c'est très intéressant, la tête ne peut pas être enfantée séparément sans les membres. Et c'est Dieu qui promet cette union qui est lui-même. Et ça m'a fait penser aussi à Saint Augustin et son idée de totus Christus. Et la tête toujours avec le corps et jamais la tête sans le corps, ni le corps sans la tête. L'idée de faire corps se trouve aussi dans la lettre aux Smyrniotes. Ignace souligne au début de cette lettre que le Christ avait véritablement souffert sur la croix et le Christ est ressuscité pour rassembler ses saints et ses fidèles, venus soit des Juifs, soit des Antilles, dans l'unique corps de son Église. Alors, corps de fils, corps de l'Église. Cette corporation, cette communauté se manifeste selon Ignace lorsque les chrétiens se réunissent dans le même lieu, epito aftō en grec, expression néo-testamentaire qui se réfère au rassemblement pour la prière et l'action de grâce, à savoir l'Eucharistie. Afin de souligner l'événement de se réunir, d'être ensemble et d'agir ensemble, Ignace utilise le verbe avec le préfixe grec syn, qui signifie « avec, ensemble ». Ainsi, dans la lettre aux Éphésiens, il exhorte les fidèles en disant, je cite, « Cherchez donc à vous réunir plus souvent pour l'action de grâce à Dieu, Eucharistia, et à sa gloire. » Et il continue, « Quand vous vous rassemblez, l'expression grecque est extrêmement expressive, c'est « γίνεστε επί το αυτό », littéralement « vous devenez dans les mêmes lieux », Les forces du Satan ainsi que son œuvre de ruine se détruisent dans la concorde de votre foi. Fin de citation de la lettre aux Éphésiens. Pardon. Plus tard, dans la même lettre, il emploie le même verbe synergeste, rassembler, parlant clairement de la fraction du pain, à savoir l'Eucharistie. Il est significatif que ce rassemblement et l'Eucharistie nécessite l'obéissance à l'évêque et au presbytérium. Chacun en particulier et tous ensemble, je cite, vous vous réunissez dans une même foi et en Jésus-Christ pour obéir à l'évêque et au presbytérium dans une concorde sans dégagement, rompant en même pain qui est remède d'immortalité, la fameuse phrase, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. Comme il le souligne dans la lettre aux Magnésiens, et sans cette obéissance, les synathrises, les rassemblements qui ne se font pas selon les instructions, ne sont pas valables. Dans la suite de cette lettre, et ayant encouragé de ne rien faire sans l'évêque et les prêtres, Ignace utilise encore une fois un verbe avec le préfixe syn. Tous accourez, syndrechete, pour vous réunir comme un seul temple de Dieu, comme autour d'un seul autel, autour du seul Jésus-Christ. Enfin, dans la lettre à Polycarpe, nous raconterons une série de six verbes avec le préfixe toujours « syn » qui montrent exactement cette idée de vivre et d'être ensemble. Donnez-vous du mal ensemble les uns pour les autres, combattez ensemble, faites la cour ensemble, souffrez ensemble, endormez-vous ensemble, réveillez-vous ensemble. Fin de citation. L'Église, donc, pour Ignace d'Antioche, est fondamentalement une communauté, un peuple
qui fait route ensemble et qui constitue encore celui du Fils de Dieu le Père. Le but de l'être est de souligner, confirmer et renforcer l'unité de cette communauté, unité qui s'exprime par la même foi, l'unique et même culte et le même ministère. Ainsi, nous pouvons comprendre que si la dépendance du peuple à l'évêque est mise en avant, la relation est réciproque. La fameuse phrase de la lettre aux Thraliens, « Changeux, on ne peut pas parler d'Église », vaut également au sens inverse. Sans les fidèles, les chrétiens, on ne peut pas non plus parler d'Église. Une réalité tellement auto-évidente et naturelle pour Ignace, et c'est pourquoi il n'insiste pas sur elle, mais non plus pour notre mentalité moderne qui si souvent encore identifie l'Église au ministre. Permettez-moi aussi d'évoquer des exemples qui démontrent la corrélation entre l'évêque et la communauté. Dans le paragraphe 6 de la lettre aux Éphésiens, on lit « Car si la prière de deux personnes ensemble est une telle force, comme dit Jésus, combien plus celle de l'évêque et de toute l'Église ?» Ce n'est pas seulement la prière de l'évêque ou celle de la communauté de l'Église. Leur force se trouve justement dans cette unité de deux. Dans la lettre aux Philadelphiens, Ignace souligne que l'évêque possède un service, une diaconie, qui non seulement est en faveur de toute la communauté, mais qui appartient à elle, à la communauté. Et en grec, c'est « την διακονίαν, την ιστονκοινόν, ανήκουσαν ». L'évêque tient ses services non par lui-même, ni par les hommes, ni par la vaine gloire, mais par la charité de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est par ailleurs cette charité qui est le modèle de l'unité des membres de l'Église, comme l'enseigne Ignace. Pour résumer, nous avons brièvement vu comment Ignace, à travers diverses images, décrit la communion entre les fidèles au sein de la communauté locale, ainsi que le rôle du ministère pour garder cette unité. Il s'agit donc d'une synodalité du peuple au sens de marcher ensemble et d'agir d'une manière responsable en harmonie avec les autres fidèles, avec qui chaque membre partage sa foi, les commandements de Dieu, la même Eucharistie et le même évêque. Cette synodalité nous incite à réviser l'idée d'un épiscopat monarchique au sens d'un pouvoir exercé sur la communauté. L'évêque est au centre de la communauté, lié d'une manière inséparable avec elle. Ces constats nous amènent à la question très discutée de la triple forme du ministère sacerdotal qui est bien connue et premièrement attestée chez Ignace. Alors, le deuxième point de la première partie, le monoépiscopat conditionné par une collégialité presbytérale. L'idée monarchique de l'épiscopat doit être revisitée alors non seulement à raison de la synodalité ecclésiale que nous venons d'esquisser brièvement, mais aussi en raison de ce qu'on peut appeler une collégialité presbytérale. Les pères apostoliques parlent toujours de presbytres, soit pluriel, à l'instar d'ailleurs du Nouveau Testament, soit en employant le terme collectif de presbytérion, synédrion ou syndesmos. Chez Ignace, ce groupe compact et organisé est présidé par l'évêque qui est clairement distingué de lui, selon la distinction attestée ici pour la première fois des trois degrés du ministère, diacre, prêtre, évêque. Ainsi, les prêtres forment avec l'évêque une unité, ils sont son conseil ou sénat. Par ce terme, nous traduisons le mot grec synédrion. En tant que sénat, donc, ou collège, ou conseil, les prêtres entourent l'évêque, notamment durant la célébration de l'Eucharistie. Ils sont les assesseurs de l'évêque, qui est l'attendant de Dieu. Dès lors, contrairement à ce que l'expression épiscopat monarchique peut laisser attendre, l'évêque est nettement distingué, mais point séparé du corps du groupe des prêtres. Selon Saxer, il ne faut pas se laisser illusionner par la formule d'épiscopat monarchique. L'évêque d'Antioche n'est pas un monarque absolu, il ressemblerait plutôt à un président d'assemblée du Sénat, c'est le mot qu'il emploie lui-même, de ses presbytres dont il prend la vie et avec qui il gouverne. De même, comme le note Charles Mounier,
Il est aisé d'observer par ailleurs qu'au sein même de la communauté, l'évêque Ignatien apparaît plutôt comme le président du collège presbytéral. Le presbytère doit être en harmonie parfaite avec l'évêque, comme les cordes à la guitare. Il doit les soutenir et les réconforter. Ce lien entre l'évêque et son conseil du Sénat des prêtres éclaire par ailleurs l'émergence du monoépiscopat, qui ne fait en somme qu'expliciter le rôle de l'épiscope au sein du presbytérium, sans créer une situation radicalement nouvelle. Et c'est une citation de Mounier de nouveau. Toujours soucié de l'unité de l'Église, Ignace presse aux fidèles des Églises destinataires de ses lettres l'union avec le triple ministère, qu'il soit uni avec l'évêque, les presbytres et les diacres qui sont avec lui. Il semble que l'unité entre les ministres soit l'exemple pour les fidèles. Ignace insiste particulièrement sur cette unité entre l'évêque et son presbytérium. Comme l'a remarqué Villela, pour exprimer cette cohésion intime du presbytérium avec l'évêque, Ignace a recours à quelques tournures de phrases un peu forchées. Il emploie des particules comme « sin » et « ama », là où conviendrait mieux une simple coordination. L'unité intime entre les ministres, et notamment entre l'évêque et les prêtres, se manifeste plus explicitement lorsqu'Ignace recommande aux fidèles l'obéissance due à leur évêque, un thème qui revient à maintes reprises. Dans la grande majorité des citations où il parle de l'obéissance ou de la révérence envers les clergés, il rejoint le presbytérium à l'évêque et beaucoup moins souvent le diacre. Attachez-vous à l'évêque et au presbytérium et au diacre. Il semble que l'obéissance réservée uniquement à l'évêque concerne plutôt la célébration du culte. Ainsi, lorsqu'Ignace écrit que personne ne fasse rien en dehors de l'évêque en ce qui concerne l'Église, il mentionne l'Eucharistie, le baptême et l'agapé. L'évêque d'Antioche appelle de manière récurrente les fidèles à obéir à l'évêque au presbytérium afin que rassemblés de la même soumission soumise à l'évêque au presbytérium, vous soyez sanctifiés en toutes choses. C'est toujours de la lettre aux Éphésiens. D'où l'on peut soutenir que l'autorité de l'évêque chez Ignace est un pouvoir sacramentel. Cette double obéissance illustre sans doute l'unité du collège presbytéral avec l'évêque. Par ailleurs, la phrase déjà mentionnée de la lettre aux Traliens, « Changer, on ne peut pas parler d'église », ne se réfère pas seulement aux évêques, mais aussi aux prêtres. Il en ressort que les prêtres, d'abord, forment une unité, un collège indivisible, le presbytérium, et deuxièmement, qui sont indissolublement associés à l'évêque dans la direction de l'Église. Étant le Sénat de l'évêque et l'entourant comme une précieuse couronne spirituelle, le presbytérium est censé détenir le pouvoir de réconcilier les pétinants sous la direction de l'évêque, comme on voit dans la lettre aux Philadelphiens. Et d'exercer aussi probablement un rôle doctrinal. C'est plutôt une hypothèse. Pourquoi enfin Ignace insiste-t-il sur cette unité de prêtres? Il est remarquable qu'à la contre des cas de l'évêque ou de diacre, où il n'est pas toujours cohérent avec qui il représente, Ignace associe avec cohérence et insistance les presbytres aux apôtres. Les prêtres sont toujours le type ou l'image ou histopon à la place du Sénat des apôtres. Cette analogie entre apôtres et presbytres, tellement mise en valeur, amène Ignace à appliquer le terme presbytérium même aux apôtres, en souhaitant se réfugier dans l'Évangile comme dans la chair de Jésus-Christ et dans les apôtres comme au presbytérium de l'Église. Et Paul Foster, qui a étudié les occurrences relatives aux apôtres dans le Corpus Ignatien, conclut que Ignace comprend principalement les apôtres comme un modèle pour le rôle de l'assemblée des presbytres et aussi comme un exemple de l'unité ecclésiale entre une communauté de croyants et la figure de proue ou leader.
Dans la plupart des cas, Ignace rapproche les apôtres du presbytérium, mais il faut mentionner que dans certains passages, l'évêque d'Antioche met en évidence leur signification ecclésiale. L'unité des apôtres autour du Christ constitue le modèle de l'attachement des membres de l'Église locale à leur évêque et au fond à leur unité. Et ainsi, je pense à la deuxième partie, la synodalité épiscopale. Si la littérature ignatienne s'avère si importante pour la synodalité primitive au sein de la communauté, la question qui surgit est de savoir si ce père pourrait nous éclairer aussi sur ce qu'on a appelé synodalité épiscopale. L'organisation ecclésiale chez Ignace apparaît de prime abord comme un modèle qui concerne la réalité exclusivement locale de l'Église. Faut-il alors limiter son ecclésiologie à sa dimension locale? La réponse est certainement négative. Sa conception de l'Église est sans doute à la fois locale et universelle. L'existence même de ces lettres adressées aux différentes églises est une preuve que leur auteur avait au moins une conscience ecclésiale allant au-delà de la dimension locale et en même temps très large, voire universelle. De plus, Ignace est le premier à avoir appliqué à l'Église l'adjectif catholique. Cette première occurrence patristique et chrétienne, si discutée, de l'expression catholique ecclésia, témoigne comment le christianisme primitif conçoit l'Église dans son ensemble. Certes, les lettres ignatiennes ne nous fournissent pas explicitement ou directement des informations, des éléments théologiques sur les rapports entre les évêques. Cependant, à travers ces textes, nous constatons très clairement tout d'abord l'intérêt ou la sollicitude d'un évêque d'une église, Ignace, pour l'unité des autres églises, le rôle identique de chaque évêque au sein de sa communauté et l'unité des évêques qui, je cite l'Épître aux Éphésiens, établis jusqu'aux extrémités de la terre, sont dans la pensée de Jésus-Christ, en Jésus Christou gnome ici, les évêques. Sa conscience de l'Église au niveau supralocal concerne fondamentalement les évêques et leur unité, comme nous le constatons dans cette phrase de la lettre aux Éphésiens. Est-ce que finalement tout ce qu'on puisse dire à partir d'Ignace sur la synodalité des évêques? Il nous semble que trois idées ou éléments de l'ecclésiologie d'Ignace jalonneront le développement ultérieur de la synodalité épiscopale. Sans pouvoir les analyser davantage dans le cadre de cet exposé, nous nous contentons d'évoquer ces trois apports implicites d'Ignace avant de conclure. Premier élément, l'Église locale identifiée à l'Église catholique. C'est dans le chapitre 8 de la lettre aux Mugnotes qu'Ignace, ayant parlé des hérétiques qui contestent la doctrine christologique, invite les fidèles à s'attacher à leur évêque. Dans ce contexte, il écrit « Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où le Christ Jésus, là est l'Église catholique. » L'expression « catholique ecclésia » demeure encore pour les 120 un problème complexe. Sans apporter le départ auquel l'interprétation de cette expression a donné lieu, il nous paraît nécessaire de rappeler son sens. Il semble qu'un accord s'établit sur le sens de l'adjectif catholique chez Ignace, qui ne peut pas signifier universel, au sens d'une extension géographique, ou, du moins, pas exclusivement universel, mais plutôt l'Église en sa totalité, à son unité et à son authenticité. Selon Schoedel, suivant la même ligne, l'Église locale, to plithos, c'est le terme technique d'Ignace, n'est pas à considérer contrairement à, mais de même que l'Église catholique. Car dans ce contexte, il s'agit d'une Église entière qui résiste par nature à la division. C'est par ce sens que le terme est attesté dans les sources jusqu'à son adoption par les symboles de Nicée-Constantinople à 381. Concernant la comparaison entre la communauté et l'Église catholique, Ignace, dans cette phrase, vise non seulement à mettre en parallèle des deux réalités, l'une concrète plus particulière et l'autre plus générale impliquant une totalité, mais à les identifier.
c'est pour la plupart des chercheurs, une opposition entre localité et universalité chez Ignace doit être exclue. L'interprétation d'un théologien orthodoxe éminent, Jean-Jacques Jules, qui est très cher, peut-être que vous savez, non seulement interdit ceci, ça veut dire une opposition, mais de plus identifie les deux dimensions. Jules a proposé une identification ontologique et non pas purement analogique entre l'Église catholique et l'Église locale. L'Église catholique et l'Église catholique, l'Église locale, pardon, et l'Église catholique en raison de la présence en elle du Christ intégral dans l'unique Eucharistie célébrée par l'évêque. Cette interprétation trouve certainement appui sur la pensée et même des citations d'Ignace. L'institution des synodes, et ici c'est le message pour nous, sera fondée exactement sur ces principes. Pour assurer l'unité des communautés locales, on n'inventera pas un chef, un super-évêque pour cette unité, mais on va inventer, si vous voulez, un synode qui assurera la communio ecclesiarum via la communio episcoparum, c'est l'expression latine qu'on utilise souvent. Le deuxième élément, l'évêque identifié à sa communauté. La double assimilation des Brignotes 8 et 2, d'une part entre l'Église locale et l'Église entière, et d'autre part entre le Christ et l'évêque, révèle une importance cruciale en ce qui concerne le rapport de l'évêque à sa communauté. Leur union étroite et profonde, renforcée par le lien qui unit l'Eucharistie et l'évêque et qui éclaire ses passages, conduit, encore Judas, à remarquer que l'évêque est identifié à l'Église locale tout entière. En réalité, il partage ici cette constatation avec Camelot et Colson et beaucoup d'autres, pour qui l'évêque est l'incarnation de son Église. En effet, dans plusieurs cas, Ignace voit paradoxalement en la personne de son évêque l'Église d'Éphèse ou de Tralien. Par exemple, il écrit ceci au Tralien, en sorte que je puisse contempler en lui, à l'évêque Polybe, toute votre communauté, votre plithos. Alors, si tous les synodes et conciles à venir sont des réunions des évêques, c'est justement parce que celui-ci représente son Église locale, comme en témoigne et enseigne Ignace. Troisième élément, du synédrion des presbytres au synode des évêques. Le modèle ecclésiologique ignatien est associé par les théologiens à l'émergence postérieure du phénomène conciliaire. La structure ecclésiale d'Ignace est considérée par plusieurs chercheurs comme une étape primitive ou un jalon vers la formation de l'institution des synodes ou des conciles régionaux. Selon Judas, la conciliarité primitive au niveau de l'Église locale qu'on raconte chez Ignace, ainsi que toute sa théologie sous l'articulation entre l'Eucharistie, l'évêque et l'Église, constitue la base et la condition pour le passage ultérieur à la conciliarité épiscopale des synodes. Pour cela, le synédrion des presbytres est rapproché du terme concile ou synode, que ce n'est pas seulement Jésus-Judas, mais c'est beaucoup de, comme Lan, Rahner ou même Ratzinger qui font ce rapprochement de synédrion, d'Ignace et concile ou synode. Selon nous, cela ne signifie pourtant pas que les conditions de fonctionnement du conseil de l'évêque, composé de presbytres, seront les mêmes dans le cas du synode épiscopal à venir, et ceci pour deux raisons. Premièrement, les évêques partagent la même qualité ou la charge identique de l'épiscopat, dû leur égalité. Et on n'observe pas le même type de rapport que dans la collégialité presbytérale. Deuxièmement, le synédrion de l'évêque se trouve dans le cadre de l'Église locale qu'il dirige. Le synode des évêques ne s'inscrit pas dans le cadre d'une entité ecclésiale plus large qu'il dirige collégialement, mais comme nous le verrons ultérieurement avec Cyprien, la raison d'être est plutôt le maintien de la communion entre les communautés. Dans la pensée d'Ignace, à l'instar des autres sources patristiques, bien sûr, il n'a pas un organisme supérieur propre regroupant les églises locales. Et il y a seulement une communion des églises locales.
Et j'arrive à ma conclusion, j'espère que je n'ai pas trop retardé, qui va donner quelques perspectives ecclésiologiques. À l'issue de cette présentation, il est évident qu'Ignace d'Antioche n'est pas seulement le père du monoépiscopat, mais aussi le père de la synodalité foncière de l'Église locale ou de l'Église tout court. L'aspect communautaire ou communionnel de l'Église étant une réalité donnée pour Ignace, il ne se réfère à la vie synodale que pour rassurer l'unité qui se trouve menacée. Grâce à sa sollicitude pour l'unité, Ignace nous livre une esquisse de la synodalité au IIe siècle. Son ecclésiologie, surtout par rapport à notre sujet, a été reçue et davantage développée par la suite par d'autres pères qu'on va voir, j'imagine, mais aussi dans les canons des conciles œcuméniques. Ignace peut nous inspirer aujourd'hui même. L'Église catholique, dans le chemin d'une synodalisation qu'elle a commencée sous la direction du pape François, ainsi que mon Église d'appartenance, l'Église orthodoxe, qui semble honorer Ignace en théorie, mais pas toujours dans la pratique. Essayant d'éviter une lecture confessionnelle, permettez-moi des brèves remarques parmi de nombreuses remarques possibles sur la contribution d'Ignace à propos de deux types de synodalité que nous avons abordées. Comment vivre d'abord la synodalité ecclésiale dans une église locale? Pour Ignace, synodalité du peuple de Dieu ne signifie pas seulement cheminer ensemble, vivre ensemble, agir ensemble, mais aussi vivre dans la concorde, la charité et l'obéissance. Ces derniers mots sont péniblement dans nos oreilles. Mais Ignace nous explique que l'obéissance due à l'évêque et aux prêtres, mais aussi les uns aux autres, a comme modèle l'obéissance du Fils de Dieu, le Père, à savoir une obéissance libre, guidée par l'amour. Dans le processus de consultation à vue du synode sur la synodalité l'année prochaine, la question du rapport des fidèles au ministère revient sans cesse. Et j'imagine que sera abordé aussi lors de notre colloque. Ignace nous rappelle que le ministère de l'évêque ou du prêtre n'est pas seulement un service de direction, mais notamment un service de l'unité. L'évêque, à l'image du Christ, réunit, unit et incorpore en lui le plithos, à savoir la multitude, la communauté. Toute la tradition chrétienne doit à Ignace le principe de la représentation du peuple dans un lieu donné par son évêque. Mais d'où vient la légitimité de cette représentation des chrétiens par l'évêque, dans un jour contesté? Ignace répond, de l'Eucharistie. Le pouvoir de l'évêque est eucharistique et sacramentel, comme par ailleurs l'identité même de l'Église. Certes, l'évêque doit écouter, consulter, discuter avec les membres de son Église. Il n'est pas un monarque seul, mais entouré par le presbytérium, déterminé par un contexte nettement eucharistique, qui est par définition relationnel. Cependant, une représentation d'une communauté par n'importe quel délégué qui n'est pas l'évêque signifie que cette communauté n'est pas une communauté eucharistique et donc n'est pas une église. Cette fonction représentative de l'évêque doit aussi être approfondie pour la synodalité au niveau supralocal, au niveau de l'église entière qui est une communion des églises locales. Par exemple, si Vatican II, dont nous fêtons ce jour de 60 ans, renvoie souvent à l'évêque d'Antioche pour souligner l'importance du ministère épiscopal, il n'a pas tenu compte de son ecclésiologie lors de la formulation de sa doctrine sur le collège des évêques dans le troisième chapitre de Lumen Gentium, où l'évêque est défini comme membre du collège épiscopal et non pas comme représentant d'une église locale qui est l'église catholique. Certainement sans être toute l'Église et sans être une Église autonome ou autosuffisante. Il apparaît ici la contribution de notre auteur pour la synodalité épiscopale. Pour terminer, le chemin qui va de la théorie à la pratique n'a jamais été facile. Saint Ignace d'Antioche nous montre par sa vie et son martyre que la vie synodale n'est pas autoréférentielle,
Son but est toujours de s'unir à Dieu. Le chemin synodal, c'est faire route ensemble, mais c'est aussi faire route avec Dieu. Je vous remercie.